Et salut à tous et à toutes, c'est Sam, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel unboxing de la Dégusta Box du mois d'août en compagnie de la Doudoune. Comment ça va la Doudoune? Bah très bien et toi? Bah ça va bien aussi. Et toujours avec la Missy Sam, ce qui est là derrière la caméra. La Missy Sam. La Missy Sam, attention, c'est la Missy Sam, s'il n'y en a pas deux tu vois. Ouais. Comment ça va la Missy Sam? Bon, laisse tomber, vas-y. D'accord. Ok, donc Dégusta Box du mois d'août, un été en famille. Avant, ce serait la Dégusta Box du mois de juillet. Non, c'est août. C'est août? D'accord, c'est août. Oups! Ah, bah c'est spoilé! Voilà, spoilé, spoilé. Ah, là, non, c'est pas grave. Spoilation. Spoilation, donc c'est pas grave, on verra. On va découvrir un petit peu donc, tout ce contenu. Hop, hop. Déjà, je vois qu'il y a des choses pour Doudou. Donc ça c'est plutôt... Non mais il n'y a rien pour Doudou en fait. À fond, il va, rien. Il va manger ça ce matin même. Rien du tout. Alors, du jus de pomme, ah, ça c'est pour... bio, pour toi. De préférence. Ça c'est pour toi, hein, clairement, du jus de pomme. Voilà. Moi j'aime ça le jus de pomme. Joker. Par contre ouais, faut pas avoir une faim de malade, une soif de malade. Hein. Sans sucre ajouté. Ah oui, non mais de toute façon c'est ça, tu bois ça, non, ça tranquille, petit goûter, 4h30, ah, au frais. Oui, il me faut 1,5 litre. Tu te fais 1,5 litre? Bah oui. 1,5 litre par jour. Non, pour le goûter. Ah, pour le goûter, j'aime. Donc voilà, donc du joker bio à la pomme. Ensuite, on a du couscous. Facile à faire. Ouais, c'est bon ça. Facile à faire, ouais. C'est pas mal ça. C'est pas mal. On en mange beaucoup nous aussi. Ouais, ça fait que ça, ça fait une éternité hein, que tu en as pas fait. N'est-ce pas hein? Une éternité, ça fait un mois. C'était quand? Ah, ça fait un mois. Je pense un peu plus, moi. 4 mois. Moi, je dirais que ça fait 2 ans. Ah oui, mais ouais, forcément. Facile. C'est vrai ou pas? Non, 4 ans. 4 ans, tu vois. De la semoule, je peux t'en faire. Oui, non, mais pas juste la semoule. Là, c'est un couscous, c'est juste la semoule là. Ouais, mais c'est nul la semoule tout ça. Ah bah oui, bah. Ouais. Tu le fais toi le couscous? Tu les épluches les légumes? Ouais. Ah ouais? Ouais. D'accord. Si tu veux, je le fais, mais ça prendra un certain temps. 3 jours. 3 jours. 3 jours pour une pomme de terre, quoi. Voilà. Faut pas être pressé, quoi. Ensuite, on a une infusion au thé, du pain du thé. Hein, infusion thé vert. Ananas. C'est pas mal ça. Ananas? Moi j'aime beaucoup le thé vert donc. Diananas. Diananas. Les gens ils vont pas savoir à qui tu parles par contre. À bébé, je parle à Baby Sams. Ananas. Hey. C'est une crapule. Elle nous regarde hein. Eh oui. Donc thé vert ananas, infusion. 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 Infusion nous. Oh. Ah ouais, tu mets l'ambiance toi, t'es un dingue. T'as vu ça. Ambiancez votre été quoi. Exactement. Donc ensuite, donc ça c'est pour Doudou. Non, c'est pour des bébés ça. C'est pas grave. C'est pour bébé Sam, c'est pour Doudoune, voilà. Mais c'est pas pour un papa. T'inquiète pas, je t'assure que c'est pour Doudou aussi. Non. Il va goûter, est-ce qu'il peut goûter? Ouais, il y a un singe, il te ressemble, regarde. Ah, t'as vu? Il y a un hippopotame, il te ressemble. C'est ça. Dedans il y a un magnète ou pas dans celui-là? Non, il n'y a pas de magnète dans celui-là. Cadeau? Ah oui, cadeau, c'est des ouais, petits. C'est des petits en carton. Petite marionnette, ouais. On goûte? Bah vas-y, de hein, toute façon, toi tu vas en manger donc forcément. Mais j'en ai déjà acheté de ça. Ah bon? Ouais. J'avais eu la petite marionnette singe. Ah, mais c'est juste pour goûter. Hein. Oui, c'est juste pour goûter. On oui. va en goûter un. Il fait genre, il connaît pas en fait, mais. Non? Il en a déjà mangé un paquet entier. Non. En plus, je connais pas. Hein. En plus, alors attends, on tombe sur qui? Ah bon, on tombe sur les singes. Eh ben voilà. Il était fait pour toi, hein. Il était là pour toi, il t'attendait. Alors goûte-t'en. Ils sont beaux, hein. C'est bon. Magnifique. Bah. Ah, bah. C'est bon, bah. Oui, je connais Samir, j'ai déjà pris. Ah. Regarde, je crois qu'il y a un bébé qui... Non, elle est de dos. Attends, je regarde, j'en prends encore un bout. Et pour toi. C'est gentil. Ah ouais. Là, c'est bien chocolaté et tout. C'est compact. C'est pas joli. En fait, c'est pas le même. Pas le même que j'avais acheté. Ah, tu vois. Mmh. Non, c'est vachement bon. Mais c'est cher ça. C'est assez cher comme le paquet, je trouve. Ensuite. Je crois que c'est plus de 2 € le paquet. Ah, quand même. Ouais. Regarde sur le truc, tu vas voir après. Ouais, après. Du coup, on a du boisson gourmande soja et coco. Ah, je suis trop contente. Ah là là. Ah ouais, parce que moi j'aime beaucoup ces genres de produits, comme tu sais. Bah oui. Mais tu vois, en fait, là ils vont faire de plus en plus. Ils faisaient beaucoup de lait de soja et là maintenant ils vont faire beaucoup de lait de coco. Donc c'est juste excellent. Ouais, après, à déguster bien frais. Ouais. Par contre, le lait de coco,
C'est plus cher aussi que le lait de soja. Oh, j'ai regardé les prix l'autre fois, je voulais m'en acheter, j'en ai pas pris, hein, parce que c'est quand même bonbon. Ça coûte 3 euros et quelques litres, moi j'ai vu. Mais là, ils ont, du coup, ils ont fait un mix soja sel. Soja sel qui d'habitude fait que des produits à base de soja, comme son nom l'indique. Et le soleil. D'accord. Et du coup, ils se mettent au coco aussi, quoi. C'est pas mal. C'est un substitut au lait de... coco. Vache. Vache. Je suis pas, c'est fatiguant. Je sais pas moi. Ensuite on a, ah bah encore ça c'est pour deux, c'est pour toi. Des barres, des barres comme ça. Mm-hmm. Pour une barre de fer achetée, vous en avez deux. Une barre de fer, de fer. Barre de et fer. En plus, de faire le sport. La barre à faire le sport. Et en plus, t'as mettre des barres avec. En plus, t'as deux barres. Elles sont aromatisées à quoi? Spiruline. Et acérola. Alors, on va rigoler 5 minutes. Alors, qu'est-ce que la spiruline? Non, sans regarder. Tu me regardes. Figue. Non. Abricot. Raisin, sésame, graines de lin. Non, qu'est-ce que la spiruline? Bah, c'est des aliments. Mais encore, ça vient d'où la spiruline? Ça pousse, ça se passe comment en fait? De spiruline au dragon. Ça vient du dragon. C'est ça. D'accord. Et la acérola? C'est espagnol. D'accord. Voilà, c'est ça. Bon, on va rétablir la vérité parce que c'est important quand même. C'est important quand même, ouais. La spiruline, c'est une algue. Ah, d'accord. Et ouais. Mais c'est super bon pour la santé. Et la acérola, c'est une espèce de baie. Comme un peu le cassis. Voilà. D'accord. Et voilà. C'est super acide en fait, mais c'est vachement bon aussi. Et la acérola est riche en vitamine C. La spiruline, il me semble que c'est vitamine E. Je sais plus exactement. Mais voilà. C'était le point information du moment. Bah, ouais, on dit pas que des conneries quoi. Non. À un moment donné. Ouais. On en dit beaucoup, c'est vrai. On en dit beaucoup. Oh là là, ça y est, qu'est-ce qui vous arrive? C'est des bonbons? Oui. C'est des à la betterave. Non, c'est des fruits rouges. Ça va. C'est non, des fruits rouges. Parce que tu sais, j'ai vu le... fruits rouges. D'accord, bon, ça va. C'est pas la betterave. Ah, mais c'est des fruits secs en fait. Oui. Ah, je pensais que c'était des... Oui. Non, oui. Bon, on va goûter. Elle va goûter. Voilà. On est très friands de fruits secs à la maison. Ouais, bah... En fait, je sais, c'était un ascenseur émotionnel. Je pensais que c'était des trucs... Oui, comme j'ai vu l'ascenseur, je l'ai vu, ouais. Comme dans... J'ai entendu. Comme dans le tombeau des lucioles, tu sais. Ah mais non, ça n'a rien à voir. Je pensais que c'était ça. Au début, ça n'a rien à voir. Au début, je vois ça en haut, tu vois. Je pensais que c'était ça du coup. Mais non. Donc un peu déception. C'est trop bon. Toi aussi, j'en prends un. Hop. Il faut le sucer. C'est pas la fin. C'est même pas sucré. Bah c'est le. En fait, c'est le sucre naturel du fruit. En fait, ce sont des fruits déshydratés. Ouais. Ouais, mais c'est naturel, c'est pour ça que le pâté, mais... c'est pour ça que tu kiffes pas, c'est naturel. Moi. Ouais. Ouais. En plus, ça colle aux dents. Ouais, sûr, bon. Ouais, ensuite, on a un deuxième jus de pomme. Ah non, orange sans pulpe cette fois. C'est bon. Ça, c'est pour moi. Non. Si. Oh. Après, on a. Du papier bulle. Du papier bulle. Très bon papier. La sauce tomate, on dirait sinon. Sauce hot. Faire mon chili. Hot sin. Je sais pas c'est quoi sin. Tu sais pas c'est quoi sin? Non. Comment? S-I-N? S-I-N, ouais. Tu sais pas ce que ça veut dire sin? Non. T'as pas joué à GTA toi? Pourquoi? Mais pas un GTA. Chinatown? C'était Seven Sin ou je sais pas quoi? Non. Ah, ça veut dire 7. Non. Sin. Ah non, là c'est du chinois. Ben... Oh, sin. Non, mais sin ça veut dire péché en anglais. Ah, les 7 péchés capitaux, genre. Seven Deadly Sin. Non, là, mais là c'est du chinois en l'occurrence donc ça n'a rien à voir. Oi sin. Donc ouais voilà, donc non je pensais que c'était hot sin mais en fait non c'est oi. Donc c'est même pas piquant en fait. Enfin je sais pas si c'est piquant, peut-être que c'est piquant. Bah lui derrière je sais pas, fait quelque chose. Vas-y, fais pas la dingue là. Ouais, il est pas vif. Sans gluten. Recette d'Asie facile, nanana. Prends le fascicule, tu sais ça sert à ça aussi un fascicule en ouais, fait. On verra après le fascicule. Ouais. Il n'y a plus rien en fait dans ta boîte. Si, encore des trucs. Ah ouais? Ouais. Elle est bien garnie. Hein.
Elle est toute vraie. Bah oui, c'est des ailes du Starbucks. Hein. On rigole pas. On en a toujours pour notre argent, un Gustavox quand même. Ouais, quand même. Ouais. Il y a peut-être une fois ou deux, je crois, qu'on avait été déçus, tu te rappelles? Ouais, parce qu'il n'y avait pas cette trop bien. Mais franchement, la plupart du temps, on est quand même bien fournis. Ouais. Avec des trucs bons, quoi. Oui, bah, en général, c'est bon. C'est vrai. Donc, sauce bolo. Ah, mince. Aux protéines végétales. Ah, bien. Attends, il y a de la vie. Non, si c'est veggie, c'est veggie, quoi. C'est écrit veggie devant, je le vois. D'accord. Ça veut dire que tout est à base de végétal. Donc t'as aucun produit animal. Okay. Donc c'est plutôt pas mal pour nous, étant donné que la bolognaise panzani, elle sera jamais halal. Voilà. Du coup, bah, je fais des petits quiz hein, pour voir si tu suis un peu. Non, en fait là je suivais pas en fait. J'étais en train de dire, c'est pour ça. D'accord. En l'occurrence, tu suivais. Hein? En l'occurrence, tu suivais. Oui, je suivais un petit peu. T'as répondu à la question. Voilà, c'est donc, pas mal. Donc ouais, donc du coup, on pourra manger. C'est top. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les sauces comme ça. On en met partout dans les pâtes, avec les boulettes. T'aimes bien? Bah oui, j'aime bien. Et pour finir, du thé. Non? Red Velvet. Non, c'est des gâteaux. Ah, c'est des gâteaux. Ils sont. Oh, ils sont trop beaux, quoi. Là-bas. Ah, ça c'est pour moi. Ouais, c'est un je pose mon option. Sur les Red Velvet. Go and treat yourself. Donc ça doit être un truc pour bien prendre soin de soi. Oui c'est ça, pour bien prendre soin de soi. Moi, j'ai bien prendre soin de moi. Moi aussi. Je crois que là, oulala, avec voilà. Un petit café avec ma mère, ça va le faire ça. Ah oui. Ah. Et donc vous avez pu découvrir un petit peu le contenu de la Dégustabox du mois de août selon Missy Sam, c'est du mois de juillet selon moi. On verra qui a raison donc au moment de poster la vidéo. Donc on retrouve un petit peu tout le contenu hein, qui est ici. Donc on va juste voir c'est quoi le petit truc pimenté pour vos grillades. La sauce satay est une sauce d'accompagnement légèrement pimentée et au goût de cacahuète pour les brochettes, les légumes crus ou même les frites. La sauce hoisin est une sauce populaire multi-usage parfaite pour mariner les viandes et les poissons. Voilà. C'est pas piquant. T'as pas écouté? Non. Ils ont dit légèrement pimenté. D'accord. Voilà. Donc à voir. Non, à goûter plutôt. À goûter, oui. Parce que bon, tu pourras la regarder, tu et sauras jamais. Pas forcément. Allez, tu peux savoir. Hein. Ah, des fois, quand c'est vraiment très piquant, ouais, tu peux le voir. Ouais, tu peux sentir. Tes yeux s'en souviennent. Oui. Donc voilà, donc contenu plutôt, ma foi, sympathique. Qu'est-ce que t'en penses, Missy Sams? Moi je suis contente. Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses, Dudu? Bah c'était très très bien. C'était très très bien. Voilà. Bon, sur ce, les copains et les copines, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On vous donne rendez-vous prochainement donc sur ma chaîne. Ouais, on donne pas une note. Si, une note. Ah, une note? Oui, ouais. Une note? Bah, moi je donne une note sur. Combien je mets? Moi je donne 16 là. 16? Ah ouais. 16 sur 20? Elle est vraiment bien. 17 avec ce truc trop bon. Elle est vraiment bien. Moi je donne 15. Ouais, non, mais toi de toute façon. Tellement difficile, non. T'es pas du tout objectif en fait. Si, je suis objectif. Non. Pour Doudou, il y a que des gâteaux savane. T'es pas objectif en si. Fait. Ce sont des produits de qualité qui coûtent cher. Ouais. Regarde les prix. T'as même pas regardé le prix du lait de coco comme je t'ai demandé. Lait de coco. T'as même pas regardé le prix des gâteaux brossards qui coûtent une fortune. 2,16€. Bah tu vois. 19. Ah bah c'est cher pour un paquet de gâteaux, excuse-moi. Non, ça c'est soja seul. Les savanes, c'est 1,60€. Ah bah c'est cher. Hein. Bah ça va. Bah non, ça va pas, non. Joker, c'est 90 centimes. Plus sucré, c'est en 81. Ah ouais, non, c'est pour... Super bar, à mon avis, elle coûte cher aussi. Super bar, c'est offert. Donc, ça coûte 1,80€. 1,80€ là-bas? Ah ouais. Non, les deux. Ah et, oui. Et les gâteaux comme ça, c'est 2,49€ là, les rouges. Ah ouais. Donc voilà, ça c'était pour la petite note. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle box, les copains, les copines. Si elle vous a donné envie de manger ouais. Ou pas. Ou... Bon appétit. Voilà. Ciao les copains, les copines. Salut, bisous. À plus. Bisous partout. Bonne vacances. Bisous partout du foulou. Oui.